Bonjour les enfants, ça va? Tout notre jour au marché, il y a un monsieur qui est venu en disant je suis périgourdin, j'ai quitté il y a 8 ans et je reviens à Périgueux. Il était stupéfait par les transformations, il ne comprenait pas qu'on dise qu'il se passait rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ceux qui sont arrivés il y a 3 ans, ils ont toujours vu la place Francheville, le parking souterrain du théâtre, les équipements nouveaux. Oh, ça avait pas de soi, quoi. Voilà. Et voilà, pour eux, ça a toujours été comme ça. Parce que si on veut voir tout le monde, je sais bien. C'est pas madame, vous voudrez oui. Bon, vous avez compris, chère madame. Je retiens la liste des doléances, voilà. Des fleurs, un peu de gaieté. Il va en avoir des fleurs pour l'instant. Non, mais moi, je fais tout pour que ce quartier vive. Mais bon, madame. Bonne journée, messieurs dames. C'est gentil, avant, en tout cas, de faire le tour. Non, pardon, mais c'est vrai, bon. Et voilà, on vient de venir. Bon, et ça tourne. Ouais, voilà. J'ai le droit de le penser parfois. Allez, on vous laisse le penser en tout cas. Allez, mais bientôt. Si on commence à y avoir des choses, il y a un jour salon, le salon de la franchise et des petites et moyennes entreprises il y a quelques années sur Paris. Et on a rencontré un stand du ministère de l'économie qui proposait aux villes de faire une étude économique financée par un audit d'une ville. Comment se développer, où étaient les problèmes? Ça va, merci. Tout marche bien? Bon, ça va, oui. Toujours excellent. On est plutôt sur la fin. Bon, sur la fin. Ah, c'est bon. La relève a été prise par la génération. Voilà. Ça marche bien, c'est Alex. C'est ce qu'il va falloir. Oui, mais enfin, dans le quartier, il faudrait quand même que la pâtisserie continue à marcher. Donc, il y a du pain de marbre, quoi. Vous avez fait, j'avais tout compris. Eh oui. Alors, moi, j'ai le gros problème, c'est celui-là. De l'argent. Vous trouvez un successeur? Vous trouvez un successeur?